a sunset view. I'm thinking so you're gonna want to. Give my home say what we need. But you'll never wanna meet one day. Cosmic logic. Shatter. Donc, salut les gens. Pour ceux qui ont vu la dernière fois le unboxing, je sais pas exactement si on peut appeler ça un unboxing, mais en tout cas, putain, le son du jeu est super fort, mais alors tu vas te détendre niveau son là, s'il te plaît. Donc visiblement, il n'y a pas d'option de jeu, donc je peux pas descendre le son du jeu. C'est extrêmement chiant. Voilà, mais en tout cas, on se retrouve sur Shatter, donc un jeu où la dernière fois, on l'a eu sur MMOGA. Dans ce pack de 5 jeux qu'on s'est acheté, je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu, ici, par-dessus. Mais voilà, donc on va y aller voir. Start game. Donc, visiblement, Enter the Puzzle Horror. Donc, visiblement, c'est un jeu d'horreur. Et ça, j'aime absolument pas du tout. J'aime pas. J'aime pas les jeux d'horreur. Mais on va le faire, voilà, simplement. We need you. Mais attends, mais là, ça bug, là, non? Ok, donc visiblement on est obligé de télécharger une version je sais pas quoi. Ah, retourne dans la cabine. Ok, on va retourner dans la cabine. Quoi? D'accord, on est un petit robot. C'est quoi ça? Ok, on est vraiment un petit robot que on peut tourner la tête, on peut aussi... Allez par devant, par de derrière, ok. En attendant, maintenant. Ok, donc ça c'est une lettre qu'on a eue. Hey rookie, I am Barry, your dispatcher. Follow my instructions. Ok, donc il faut le suivre, voilà. Enfin, ces instructions qu'il faut suivre plutôt. Donc, turn on the generator. Donc, il faut allumer le générateur. Take a photo of the calibration test. Donc, il faut prendre une photo de calibration test. Les traductions, de ouf. C'est littéralement des traductions de mieux. Même Google Traduction, il sait pas faire ça. Open the computer and upload last photo. Ok, donc il faut après ouvrir le... Enfin, il faut ouvrir le PC et après upload les dernières photos. Ok. C'est quoi ce bruit? Ah d'accord, là c'est ouvert. Mec, par contre, c'est extrêmement gênant, il y a des... Ah d'accord. Ok, left mouse button will train the... RC batterie. Ok. Ok. Jusqu'à là, oui. Presse E. Ah, c'est mieux là, c'est mieux. On est mieux. Là, on est mieux. C'est quoi ce bruit? Là où il y a une caméra. Très bien. Ok. Jusqu'à là, on est d'accord. La caméra, elle est pas très rassurante. Take a photo. D'accord, et comment on fait? Déjà, ça va pas le faire. Donc, take a photo, c'est hold space. Ok. Space bar, donc. Là, on prend une photo. Mec, c'est pas rassurant du tout, hein. Je vous le dis cash. Bah oui, mais j'ai déjà pris une. Ok. Enfin, pas du tout ok. En vrai, je suis pas ok du tout. Alors, attends. Oui, ça, on est bien d'accord. Jusqu'à là, on est d'accord. Move fast, ok. Space button kit, ok. All space, bah oui, on est pour l'instant, on est bien d'accord. Ah, bah voilà, mais j'ai déjà pris les photos. Il faut juste upload, mais je suis con. Voilà, c'est le dernier truc. Ok. Est-ce que on upload encore les autres? Pas du tout. Emails, archives. Ok, on va close ça. Est-ce que ça s'est ouvert là-bas? Oui, en effet. D'accord, on est dehors. C'est. Par contre, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un peu n'importe quoi ce jeu? Ok. Attendez, on va vite fait mettre. Par contre, la caméra, elle n'est pas rassurante du tout. Je vous le dis cash. Est-ce qu'on peut, genre, ouvrir ici? Donc, visiblement. Il y a quelqu'un qui nous a noté un petit truc là. Et où ça? Ah oui, mais en effet, il y a quelque chose dessus. Attendez. Au niveau malheur, c'est pas aussi évident. Donc là, il y a quelqu'un qui nous a écrit une petite lettre d'amour là, visiblement.
Voilà! Added to archive. Ok. Finally! Ah oui, mais enfin, ça, j'avoue. Ok. Q. Ok. Et donc maintenant, on a eu un nouveau mail. On va vérifier ça immédiatement. Ok, donc maintenant, take a picture of the address number of the gate. Ok, donc. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais non, c'est pas ça. Moi, juste ça. Maintenant, il me faut juste. Là, là, ah voilà. Voilà, là, on va prendre une photo de ça. Voilà. Donc là, normalement, j'ai vérifié que ce soit le bon numéro. Et normalement, en général, c'est le bon numéro. Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ce. Ah oui, mais par contre, j'ai loupé. Okay. Non, 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 pas ça. À chaque fois, je vais quitter le truc. Là. Voilà, donc attendez, on va se rapprocher un tout petit peu. Là, on va prendre la photo un peu plus propre. Voilà, là, on est bien. Là, on est bien. Là, on se met bien. Voilà, ça, on peut upload. Voilà, tiens. Comme ça, tout le monde connaît mon adresse. See if you can have an anti-graffiti. Ok, on va faire une photo. Enfin, on est obligé de faire une photo des graffitis. Ouais. Là, par exemple, ça, on peut se mettre bien, ça, non? Voilà. Et on upload ça sur YouTube. Voilà. Ça c'est fait. Attendez, juste l'upload sur YouTube. Comme ça tout le monde se met bien. Can you get a photo of the front door? Non, 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 blocking it. Ok. Ok, donc on est censé de faire une photo de ça. Ok. C'est complètement. C'est complètement nul. Arrêtez. Ok, bon, on va faire ça. Non, pas ça. Putain, je me trompe déjà des touches. Ça va pas le faire. Donc là, pour prouver que ça bloque. Oh putain! C'est quoi ça? Mec! Please return to generator. Ok, bah ça, on va faire immédiatement. Oh putain, mais ça. Oh, ça, c'était pas prévu. Ah non, le générateur, il est là. Putain. Et là je me suis effrayé mais comme un chien. Parce que là franchement j'étais pas prévu. Voilà. Oh putain c'est quoi ça? Et non mais c'est exactement pour cette raison que j'aime pas les jeux d'horreur. Écoutez, non mais vraiment. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Check out the hallway and take a photo. Mais non, mais là, non. Je vais arrêter les conneries. Hein. Il faut retourner là-bas. Il faut prendre une photo. Mais moi j'ai. J'entends pas là-bas. Calibration test. Ok, non, ça on l'a déjà fait. Mais vraiment, je suis obligé de retourner là-bas. Ok. Bah écoutez, vous savez quoi? J'ai une idée. On va porter nos couilles et on va y aller. Voilà. Je pense que ça c'est une bonne idée dans les jeux. Écoutez. Allez, on y va. Et il y a quelque chose qui a bougé là, non? Là. Mais non, mais là, c'est exactement pour ça que j'aime pas les jeux d'horreur. Hein. On est d'accord avec ça? Est-ce que la porte, on peut l'ouvrir là? Oh putain. Et en plus, il y a partout des trucs qui bougent, j'aime vraiment voir. Hein. On déconne pas là-dessus. Je n'aime pas ces genres de trucs. Et on va quand même avancer. Ouais, mais bon, par contre, ça me met vraiment pas en confiance. Hein. Oh non. Par contre, je juste pas qu'il y a un screamer ou un truc dans le genre. Ça, je supporte pas. Ça, je supporte pas. C'est pour ça que je supporte pas les jeux d'horreur d'ailleurs. C'était quoi ça? Y a quelqu'un qui m'a parlé? Bon, juste pour vous mettre dans l'ambiance actuelle, c'est que je suis actuellement seul déjà dans un premier temps et en plus, il est actuellement 3h30 du matin. Du soir ou de la nuit, comme je disais. Et puis du coup, ça me met pas en confiance. En plus, j'avance, j'ai entendu des bruits, mais bon, ça, je pense que c'est parce que je me suis dit, bon, vu que je vais faire un jeu d'horreur, j'entends déjà des bruits. Ça va pas le faire. Ok, attends. Bon, on lit pas, nous, on est des gens comme ça, on lit pas nos trucs. Par contre, là, email, ça, on lit. Keep looking around while I try to. Figure this out. Ok, donc pendant qu'il essaie de
de faire je sais pas quoi. Il faut qu'on essaye de trouver encore plus d'informations. C'est quoi ça? Ça c'est déjà là avant? Oh putain! Une porte qui s'est ouverte. Ok. Par contre les gars, je vous dis juste un truc. Je vous confirme totalement si... Si déjà, je galère pour un jeu comme ça, ne me proposez jamais de jouer à Outlast 2 ou je sais pas quoi, parce que ça va carrément pas le faire. On va pas s'entendre quoi. Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi... Pourquoi la porte elle fait des bruits comme ça alors qu'elle est même pas ouverte? J'aime pas ça. Ok. Mais... J'hallucine. C'est des bruits de ouf. On est bien d'accord. Ah mais c'est cette porte là. Genre que je vais aller là quoi. Oh putain. Mais je suis pas con, moi je vais pas aller là. Ouais. Portons nos couilles. Ah mais je suis pas en plus. Ah bah c'est bon alors. Je suis pas obligé de porter mes couilles. Mais est-ce qu'on peut pas, on peut pas. Attendez, on va essayer quand même. Non on peut pas. Ok bah tout va bien. Tout va bien. De toute façon j'avais moyennement envie d'y aller donc ça tombe bien. Putain par contre Putain je suis resté trop longtemps sur le truc et du coup maintenant il faut aller recharger là-bas. En plus le bruit. Ah non c'est bon. Ça recharge là. Oh par contre le bruit ça met pas en confiance. Ça fait des... Ok donc faut faire gaffe aussi un peu à ça quoi. Ok mais par contre je m'aime pas bien, je me retrouve plus là, je me retrouve plus. Elle est dans la merde. Attendez. On va aller là. Mais donc on est quand même obligé d'aller Mais arrête ça. Ah cette putain de porte, on est quand même obligé là, non? Mais je peux pas. Je peux littéralement pas. Donc ce qu'on peut faire éventuellement. Et qui s'amuse à faire ça? Ah ouais? D'accord. Bah écoutez, est-ce qu'on peut pas upload ça par hasard? Si si. Monitor the living room and take a photo of an evidence. Ok, donc on est obligé de rentrer. Ok. Écoutez, on est censé rentrer. Justement, j'étais... plus ou moins content qu'on pouvait pas rentrer. Maintenant bien évidemment il faut rentrer hein. Ok donc il faut prendre une photo de soi-disant des trucs qui sont chelous, mais je dirais que dans ce jeu tout est chelou donc il faut limite un portable pour faire des photos non-stop et mettre sur Snapchat. Voilà. En plus j'ai du vent, arrêtez. Oh putain! Eh mais par contre le rechargement, putain, ça un jour ça... Mais... On va pas faire un truc plus sympa quoi. Est-ce que ça par exemple c'est pas bizarre? On va upload ça, on sait jamais. Ok non, visiblement ça il trouve pas trop bizarre, mais moi je trouve que tout le jeu est bizarre, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Même ça c'est bizarre. Putain qu'est-ce qui bouge là en fait, derrière? Attendez, on va quand même essayer d'uploader ça. Ouais, il va me dire que ça... C'est rien de bizarre. En même temps, mec, t'es pas ici actuellement. Hein. Je dis ça comme ça. Déjà, un arbre dans une maison. Ça, c'est bizarre, ça, normalement. Enfin, moi, j'ai pas ça chez moi, donc... Tout ce que, de base, j'ai pas chez moi, je trouve ça bizarre. La lumière, là. Ça, c'est pas bizarre, ça? Ah. Si, évidemment, ça, c'est bizarre. D'accord, le mec qui me fait la porte comme ça. Ça là-haut c'est quoi? C'est des caméras. Donc c'est pas bizarre je suppose. C'est normal d'avoir des caméras partout. Là je suis pas bien avec ce son. Attendez, on va l'enlever. Voilà, je suis un peu un enfoiré.
Moi perso j'entends plus ce le mec qui tope là. Mais vous l'entendez encore. J'avoue que je suis un enfoiré. Mais c'est la vie. C'est la vie, moi j'ai le choix. Bon après c'est. Mais c'est sale. Ce livre il bouge. Vous avez. Ah il a disparu. Je rêve où il y a quelqu'un qui a rigolé. Mais mec, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui rigole comme ça? Et pourquoi ce livre? Il bouge. Prenons ça en photo, upload sur Instagram. Voilà. Look for more special. Ok. Ok. Donc on est obligé de regarder pour d'autres trucs un peu chelous. Bah écoute, ça c'était déjà assez chou. Moi, si j'ai vécu ça dans ma vie. Ah, j'ai mon train. J'ai mon train qui arrive. Bah en fait, salut les gens. Et puis à très bientôt parce que là, c'est mon train qui arrive. Ah non, mais là c'est carrément. Un mariage. Ou un enterrement. Ah, c'est ça. C'est ça qui fait ça? On va faire une photo, hein. Bah ouais. Ah oui, en effet, c'est bizarre ici. Patch notes. Full color picture. D'accord, donc maintenant on peut faire des photos de couleurs. Ok, bah on download directement. D'accord, chapitre 2. C'est énorme. Ok, donc on vient de faire le chapitre 1. Et donc maintenant, on est parti pour le chapitre 2, mais on va pas le faire aujourd'hui. Donc je dirais même qu'on va jamais le faire parce que moi, ces jeux-là. J'aime pas. Non, mais en fait, non, il est bien fait. Honnêtement, il est bien fait. Le seul problème, c'est que moi, j'aime pas les jeux d'horreur. Ça me met pas du tout en confiance, voilà. Moi, j'aime bien les bisounours, des trucs sympas comme ça. Moi, à mon bisounours, je lui fais des bisous. Mais des trucs dans le genre comme ça, il faut voir tout ça. Bon, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé, comment vous trouvez le jeu. Honnêtement, moi, je trouve qu'il est bien fait. Bon, après, c'est sûr que c'est pas un jeu d'horreur comme Outlast et des trucs comme ça, dans le genre, voilà. On va pas se mentir. Mais par contre, il est pas mal. Il faut quand même le dire. Je sais pas combien il coûte exactement. Ah si, j'ai regardé avant, je crois que c'était 1,99€, 2€. Mais comme dit, moi je l'ai eu dans le pack. Je quitte ce jeu, je reviens plus jamais. 12 seconds later. Ah voilà, ok. J'ai pété un cap sur une touche, mais... Bon. Ce que je voulais dire de base, je l'ai eu donc dans ce pack de MMOGA là, de Steam Surprise, mais je crois qu'il est à 1,99€ sur Steam. On va écouter pour être sûr, on va quand même vite fait vérifier hein, pour que je vous dis pas des conneries parce que je suis sûr qu'il y a quelques-uns qui aiment bien quand même ce genre de trucs. Donc, déjà, il y a une démo gratuite, ouais, mais ça, on a déjà vu assez d'ambiance comme ça. Donc, il est... Ah bah on peut plus... Ah si, bah oui, 1,99€. Mais comme dit, sur MGA, ça doit être moins cher. Mais voilà, donc sur ce, salut Jean. Et dites-moi dans les commentaires, quel jeu vous voulez encore voir donc de ces packs de MMOGA. Notamment Pixel Puzzle, ça a l'air pas mal, même si ça a l'air assez compliqué aussi. Mais je pense qu'avec certains jeux, on va faire une petite compilation de jeux. Comme dit, je suis en train de partir en vacances. Donc, il y aura du GTA dès que je retournerai. Des vacances. Et puis, bah, éventuellement, il y aura encore du Euro Truck Simulator, des compilations de jeux, justement, avec ces jeux qu'on vient d'acheter. Et puis, il y aura quoi encore? Du Formula, bien évidemment. Puis d'autres jeux. 911 opérateurs, par exemple. Voilà. Sur ce, salut Jean. Et à très bientôt!